Lutter contre l'insomnie n'est pas toujours une question de pilule. Parfois, nous pouvons améliorer notre repos en incorporant de bonnes habitudes. Cependant, nous devons également éliminer les autres qui nous nuisent. Découvrez dans cet article 7 astuces pour lutter contre l'insomnie naturellement, 7 bonnes habitudes pour combattre l'insomnie. 1. Douche chaude ou bain chaud. Un remède simple et agréable est la douche ou le bain avec de l'eau chaude juste avant d'aller au lit. L'eau chaude a un effet relaxant sur notre corps, contrairement à l'eau froide qui est stimulante. De cette façon, nous allons au lit avec une agréable sensation de bien-être, qui nous induit à un bon repos. Si nous prenons un bain, nous pouvons rester dans l'eau une demi-heure et nous pouvons ajouter du bicarbonate de sodium ou du sulfate de magnésium. De cette façon, nous allons améliorer son effet bénéfique. 2. Savoir se déconnecter de nos jours. L'une des principales causes de l'insomnie est notre dépendance aux nouvelles technologies. La télévision, l'ordinateur ou le téléphone portable non seulement entravent la relaxation de l'esprit, mais génèrent également des champs électromagnétiques. Ces ondes affectent notre système nerveux. Nous recommandons de réduire l'utilisation de ces appareils pendant la journée, dans la mesure du possible. Pour lutter contre l'insomnie, il sera essentiel de se déconnecter de au moins 2 heures avant le coucher. 3. S'adapter au soleil. Le soleil marque les biorhythmes, c'est-à-dire le rythme naturel de la vie. Notre organisme fonctionne donc mieux lorsque nous suivons le temps solaire. Pour cette raison, nous recommandons de se lever le matin avec les premiers rayons du soleil et de se coucher le soir quand il fait noir. Il n'est pas nécessaire que nous allions nous coucher s'il est encore tôt, mais nous pouvons changer la dynamique des activités et ralentir. De même, bronzer est aussi un remède naturel contre l'insomnie. Il suffit de nous exposer au soleil 10 minutes par jour, si possible tout au long de la journée, pour constater une amélioration de notre repos nocturne. Cependant, si nous exagérons, cela pourrait nous nuire, à la fois sur la peau et dans nos niveaux d'énergie pendant la journée. 4. Le bon dîner. Les biorhythmes indiquent également qu'à partir de 9h du soir, notre corps consacre son énergie à régénérer le foie et la vésicule biliaire. Ces données sont essentielles pour comprendre pourquoi beaucoup de gens souffrent d'insomnie à cause des dîners. Si nous mangeons trop avant d'aller au lit, notre corps s'attellera à la digestion. Cela affectera négativement les biorhythmes nocturnes. La chose la plus saine serait de faire des dîners légers avant 8h du soir, pour assurer une bonne digestion de la nourriture avant de s'endormir. Par conséquent, nous devrions éviter les aliments suivants, sucre, farine, raffinée, graisse malsaine, tels que les frites et la malbouffe, produits laitiers, viande rouge, fruits sucrés. Les fruits, bien qu'ils soient des aliments très sains, nous donnent beaucoup de vitalité, ce qui est plus utile le matin. 5. Postures inversées. Des techniques de yoga, les postures inversées sont une bonne stratégie pour se détendre et lutter contre l'insomnie. En soulevant les jambes et en plaçant la tête à une hauteur inférieure au reste du corps, nous favorisons la circulation. De cette façon, nous soulageons les symptômes tels que la lourdeur dans les jambes ou les maux de tête qui nous rendent difficile le repos. Nous pouvons nous allonger sur le sol avec nos jambes dans une position verticale, le long du mur, ou faire une position concrète si nous savons comment faire. La posture de la voile est une bonne option. 6. La relation avec l'intestin. Certains cas d'insomnie sont liés à la surcharge intestinale et à l'inflammation, ce qui peut être une cause difficile à déterminer. Pour le résoudre, nous devrions réguler la fonction de cet organe d'une manière naturelle. Nous pouvons également appliquer des cataplasmes d'argile avant le coucher ou toute la nuit. 7. Une chambre à coucher pour se reposer. Certaines chambres rendent difficile le repos pour différentes raisons que nous devons résoudre. Manque d'obscurité. Il est très important qu'il n'y ait pas de lumière pour pouvoir sécréter la mélatonine, l'hormone qui régule notre cycle diurne et nocturne. Trop de bruit, manque d'ordre et de propreté. Les appareils électroniques et les prises trop proches. Ceci génère des champs électroniques.